Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui une nouvelle leçon de conjugaison intitulée l'imparfait. Prenez vos manuels à la page 115. Avant de commencer, entoure la terminaison de chaque verbe conjugué. Je protège, nous ramassons, ONS, ils plantent, ENT, vous arrosez, EZ, allez, ce verbe n'est pas conjugué, vous finissez, EZ, venir, un verbe à l'infinitif, ils jeunissent, un verbe à la fin, ENT. J'observe et j'élabore. Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres et les perdit toutes de la même façon. Elles allaient dans la montagne, là et là-haut, le loup les mangeait. Première question, quelles sont les terminaisons du verbe surligné? Avait, aller, manger. Avait à la fin AIT. Aller à la fin AIENT. Manger à la fin AIT. Dans leur infinitif. Avait, c'est le verbe auxiliaire avoir. Aller, c'est le verbe aller. Manger, c'est le verbe manger. À quel temps, question numéro 2, à quel temps sont-ils conjugués? Ils sont conjugués à l'imparfait. Quelles sont les terminaisons de l'imparfait? Les terminaisons de l'imparfait, c'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Dans l'exemple d'un verbe du deuxième groupe et conjugue-le à l'imparfait. Choisir. Je choisissais I2S. A-I-S, tu choisissais I-2-S, A-I-S, il choisissait I-2-S, A-I-T, nous choisissions I-2-S, I-O-N-S, vous choisissiez I-2-S, I-E-Z. Vous choisissez I-2-S-A-I-E-N-T. Conjugue le verbe faire à l'imparfait à toutes les personnes oralement puis à l'écrit. Que remarques-tu? Le verbe faire. Je faisais à la fin AIS, tu faisais à la fin AIS, il faisait à la fin AIT, nous faisions à la fin IONS, vous faisiez à la fin IEZ, il faisait à la fin la fin A-I-E-N-T. La question numéro 5. Conjugue le verbe faire à toutes les personnes oralement puis à l'écrit. Que remarques-tu? J'ai remarqué que tous les verbes ont les mêmes terminaisons. On conjugue ces verbes à l'imparfait
Ils ont la même terminaison. Je retiens. L'imparfait est un temps du passé que l'on utilise souvent dans un récit. À l'imparfait, tous les verbes ont les mêmes terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Voici quelques verbes conjugués à l'imparfait. Être, j'étais, tu étais à la fin AIS, tu étais à la fin AIS, il était à la fin AIT, nous étions à la fin IONS, vous étiez à la fin IEZ, elles étaient à la fin AIENT. Un autre exemple, le verbe avoir, j'avais, tu avais à la fin AIS, à la fin AIS. Il avait à la fin AIT, nous avions à la fin IONS, vous aviez à la fin IEZ, ils avaient à la fin AIENT. Prendre, je prenais à la fin AIS, tu prenais à la fin AIS, ils prenaient, nous prenions, vous preniez, elles prenaient à la fin AIENT. Franchir, un verbe du deuxième groupe. Je franchissais à la fin I2SAIS. Tu franchissais à la fin AIS. Elle franchissait à la fin AIT. Nous franchissions à la fin IONS. Vous franchissiez à la fin IEZ. Il franchissait à la fin AIENT. Remarquez que tous les verbes ont les mêmes terminaisons. Je m'entraîne, on va passer à faire des exercices. Conjugue oralement à l'imparfait. Aimer la nature, nourrir les oiseaux, faire des efforts, être à l'écoute des arbres. Aimer, j'ai aimé à la fin AIS. Tu es aimé, elle aimait à la fin AIT. Nous aimions à la fin IONS, vous aimiez à la fin IEZ, elles aimaient à la fin AIENT. Nourrir, je nourrissais à la fin AIS, tu nourrissais à la fin AIS, elle nourrissait à la fin AIT, nous nourrissions à la fin IONS, vous nourrissiez à la fin IEZ, ils nourrissaient à la fin AIENT. Faire, je faisais, tu faisais, elle faisait à la fin AIT, nous faisions, vous faisiez, elle faisait. Être, j'étais, tu étais, elle était, nous étions, vous étiez, ils étaient. La même chose qu'ils ont la même terminaison. Entoure les verbes conjugués à l'imparfait. Il bondait, tu applaudissais. Nous parlions, elles prennent, nous venons, vous venions, nous venions, pardon. Nous avons pensé, vous réagissez. Je dis, elles prenaient, j'avais. Je disais, nous étions, vous vouliez, nous fournirons, je faisais. Complète, exercice numéro 3. Complète avec le pronom qui convient, parfois plusieurs solutions sont possibles. Arracher les mauvaises herbes quand pouvait. Ici, la terminaison de ce verbe AIS. Je peux écrire je, j'arrachais ou bien tu arrachais. J'apostrophe ou bien tu.
arracher les mauvaises herbes quand je peux dire je pouvais, pouvais, que je peux écrire tu pouvais. Compreniez la nécessité de préserver l'eau. Vous compreniez la nécessité de préserver l'eau. Voyez bien le problème. Il avec S. Voyez bien le problème. Jetait-il ou bien elle? Je peux écrire ici, elle, au féminin, ici. Les ordures dans la poubelle. Ici, nous réfléchissions au problème de la pollution. Exercice numéro 4. Conjugue à l'imparfait. Le vent dort. C'est le verbe souffler. Le vent soufflait. À la fin, A-I-T. Tu agir rapidement. Tu agissais. À la fin, A-I-S. Ici, le verbe aller. Nous n'allions. Nous n'allions pas laisser nos détritus sur le sable. Jamel Ismail. Pétrissé. La pâte. Ton père et toi. Ici le verbe respecter, respectier. À la fin, I-E-Z. Les plantes. Mes chers élèves, fin de séance. À la prochaine, Inch'Allah.